Tout le monde. Alors, je vais peut-être éteindre la lumière. C'est mieux avec, c'est mieux sans. C'est mieux sans. Bon, je vous retrouve pour une petite ouverture de courrier, donc qui nous vient de Stéphanie. Donc, je n'ai pas ouvert, j'ai juste enlevé l'enveloppe, j'ai pas vraiment ouvert. Donc, je vais déjà ouvrir la carte. Oh, ça m'a l'air bien fait tout ça. Ah oui, en effet, c'est très joli. Donc, c'est une carte qu'elle a collé tous les morceaux d'hexagone. Bien, alors c'est super propre. Franchement, très très harmonieux, pas de traces de. C'est très bien fait. C'est des bien ficelés comme j'aime. Avec du papier texturé là comme ça, c'est pas mal. Franchement, c'est des jolies couleurs en plus. Du rose et du mint, donc j'aime beaucoup. Alors déjà la carte, elle me plaît. Alors on va lire le petit mot. Coucou Albine, félicitations pour le 2 ans de ta chaîne. J'espère que ma petite carte te plaira tout en douceur. À bientôt sur le groupe. Gros bisous, Steph. Donc Steph, c'est Scrapfanny. Et bien effectivement, ta carte est très belle. Elle est très douce et très harmonieuse. Donc félicitations à toi aussi, j'aime beaucoup. Donc merci déjà. Avec une jolie enveloppe que je pourrais réutiliser en plus. C'est pas toi qui a l'air. Enfin, je pense pas que ce soit toi qui l'ai faite, mais elle est sympa. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Alors on a une enveloppe en épaisseur avec un. Bon, ça je vais le laisser comme ça. Je peux l'enlever, je pense. Donc, elle m'a mis un ruban avec une découpe Hello et des feuillages et des fleurs. C'est très joli. Sans aucune trace de colle. Donc félicitations. Avec un petit ruban. Ici l'enveloppe, bon, elle a un peu souffert dans l'envoi, mais ça, c'est pas de ta faute. Donc pareil, l'enveloppe est très bien faite. Avec des petites fleurs et des petites feuilles. Et qu'est-ce qu'on a? Et ben voilà, quelqu'un qui respecte les consignes. Non, les autres, ça me fait super plaisir, mais vous faites trop de choses. Donc l'enveloppe, elle est super sympa. Et elle m'a fait des découpes. Donc des découpes de feuillage que je n'ai pas non plus. Donc dans des tons roses, verts, beige. Ben, tout ce que je vais pouvoir réutiliser. Donc ça, c'est super cool. Merci beaucoup. Des découpes de nœuds. Donc des nœuds simples et des nœuds à monter. Donc pareil, super, je vais pouvoir m'en servir pas mal. Top. Tu as vraiment respecté les consignes, ça c'est une bonne élève. Je te mets un 10 sur 10 pour le respect des consignes et un 10 sur 10 aussi pour la propreté de ton scrap. C'est vraiment un beau scrap. Donc je vois des joyeux anniversaires, joyeuses fêtes, invitations, merci. Hello. Et ben franchement, super. Donc c'est une petite vidéo très courte, mais c'est tout ce que je demande. Et on remet encore là, elle a fait un petit emballage. Mais à la base, pour mon concours, c'était juste trois sachets avec quelques découpes de feuilles, de mots et de nœuds. Donc bah voilà, un envoi très joli, juste comme il faut. Je te remercie beaucoup, Steph. Tu as vraiment géré. J'aime beaucoup. C'est dans les tons que j'aime, du rose, du mint, du vert. Un envoi 100% comme il faut. Donc merci encore. N'hésitez pas à commenter, à laisser un petit pouce. Et puis donc tu as le numéro 14, Stéphanie. Je te note tout de suite. Donc Scrafani numéro 14. Pour ne pas confondre avec l'autre Stéphanie. Donc Scrafani. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre de description. Donc voilà. Merci pour avoir regardé cette petite vidéo. Et puis n'hésitez pas, hein, je vous dis encore à continuer à participer, à partager, à liker, enfin tout ce que vous voulez. En tout cas, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye.